C'est ce qu'il a dans les mains. Fabrice, un succès de plus. Ouais, on ramasse un crack là. C'est un super cheval. Donc, ben voilà, on est content hein, parce qu'avant le coup, c'était pas facile. Il était un petit peu loin dans le parcours, j'avais peur. Il y avait du train, ça roulait hein, fort devant. Mais bon, c'est un phénomène. Hein, c'est un cheval. Il a pris de la force maintenant, il peut bien monter la côte. Voilà, c'est un cheval que l'on aime bien. On n'a pas beaucoup de comme ça, malheureusement. Est-ce que c'est un futur gagnant de Prix d'Amérique? Oh, attendez, on va voir. Si. Savez, là, il va se reposer. Si, on va gagner le Prix d'Amérique. Ça va y faire du bien. Bon, bah alors, on va gagner le Prix d'Amérique. Ouais. Donc, très allez, bien. Papa, on va gagner le Prix d'Amérique avec ça. Super. Donc, il va se reposer, tu dis? Ouais, il va se reposer maintenant, 15 jours, 3 semaines. Voilà, un peu de vacances. C'est juste, il est paniqué, maintenant c'est toi qui l'as niqué. Match nul, match nul. Franck, c'est un beau coup tactique que tu as réussi en venant au bon moment. Bah ouais, je n'ai pas forcé au début parce qu'il y avait un peu de train. Jean-Michel a travaillé un peu pour nous, quoi. Il a essayé de faire forcer un petit peu l'agilement. Après, en montant, je savais qu'ils n'allaient pas me forcer. Jean-Michel, il courait un petit peu avec moi, donc c'est normal qu'il ne contre pas. Et puis l'agilement, elle a déjà fait fort en descendant, donc je savais qu'elle allait pas remettre une dose. Moi, ouais, je suis venu au bon moment, je pense. Mais bon, il gagne quand même vraiment avec beaucoup de marge. Sur une échelle de 1 à 10, le degré de kiff, c'est combien avec lui? Ah, c'est plaisant, c'est très très plaisant. Surtout dans la ligne droite, quand j'ai baissé les œillères, il allait très très vite. Seb Roxane, deuxième. Mathieu a peut-être bien joué le coup en ne restant pas dans le dos de très cool du coup. Oui, il a bien fait, il a très très bien fait, il n'y a rien à dire. Après, il laisse chez Lisman à 3. Et puis il n'a pas cherché à venir tout de suite attaquer le gagnant. Et puis l'autre est au-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un crack. Et puis il est firé des 4, il a des plaques devant et il gagne en roue libre. La nôtre, bon, c'est super. Elle est encore deuxième de toutes les belles courses. Et puis je pense qu'on va préparer le meeting maintenant. Et puis le Cornulier, je pense que dans le Cornulier, je ne vois pas qui peut l'abattre, ça reste comme ça. Mathieu, c'est une belle deuxième place. Putain, encore c'est bon. Bah bien, non, bien, et elle a fallu qu'elle se bagarre hein, parce que il y avait 3 Soulois, 2 Marmion, 2 Duval d'Estaing, et puis bah elle était toute seule, donc c'était pas une course trop évidente avant le coup. Et puis malgré tout, elle a repoussé toutes les attaques, donc on est battu par un drôle de cheval. Hein, donc non, rien à dire. Pour finir, elle a vraiment bien repoussé les attaques pour garder la bonne première excite. Ouais, et puis... Et t'as bien joué le coup tactiquement, ne restant pas dans le dos de très cool du coup. Bah très cool du coup, on savait que c'était une rentrée, donc quand je l'ai vu qu'il me contrait devant les tribunes, j'ai tout de suite... ça m'embêtait un peu de me remettre derrière lui, mais bon, moi j'ai pu ressouffler jusqu'au kilomètre, mais voilà quoi, après il y en avait 3, ils étaient 3 partenaires, donc petite merde, non, il fallait qu'elle ait les épaules solides pour aller jusqu'au poteau. Merci Mathieu. Jean-Paul, troisième, Roy, est-ce qu'il est à sa place? Oui, je pense. Hein, je pense qu'il est à sa place. On est à Vincennes. À Vincennes, bon, c'est vrai que c'est plus son terrain de prédilection. Alors donc, je pense que le cheval, là, il a couru à peu près sa valeur. Bon, je vous dis, Vincennes, heureusement, il a attendu un maximum parce que sinon, on aurait été à l'agonie pour finir. Donc, c'est un cheval, il faut éviter de l'amener ici. Alors que la suite du programme, ça passe par quoi? Les UET Masters, vous y pensez ou pas? Non, pas du tout. Nous, on va courir à La Capelle, Angers, et puis et le Sud-Ouest, et Bordeaux. Ça, c'est ces courses qui sont prévues à son programme.